prochain, le 14, à moins qu'il y ait un changement. Un nouveau Duran Duran qui s'appelle Medazalan, de nouveau Green Day, Nimrod, nouveau LL Cool J, Phenomenon, Queen, avec un hommage fait par des groupes espagnols. Ça s'appelle Los Grandes del Rock en Espagnol. J'espère que ça sortira au Canada également. Les 10 Noël sortent déjà. Merry Christmas, Merry Xmas, un jeu de mots avec axe qui veut dire une guitare, avec Steve Vai, Joe Satriani, Jeff Beck et aussi Hootie and the Blowfish, un DVD d'un concert sorti en 96. Donnez-moi la force de comprendre ces visions, ma sœur. Une fois de plus, père, je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous? Devrais-je me taire, laisser les choses se faire? Mais j'en ai plus qu'assez, assez de voir sangloter toutes ces mères. Les années passent, les tragédies, elles ne s'effacent pas. La haine est de nos jours plus forte que la loi. Les faibles subissent, les forts s'enrichissent, les valeurs morales disparaissent. La race humaine, j'avoue, s'éloigne des bonnes pistes. J'ai cru apercevoir 5 heures, plutôt 6 jeunes, abattre 7 hommes pour quelques dollars. DJ Choice, de Domatic, bienvenue au cimetière des CD. C'est rare qu'on ait un artiste, un groupe qui vient faire un tour après un seul album, mais Domatic, c'est tellement important que lorsqu'on m'a suggéré DJ Choice, j'ai dit oui de suite, parce que c'est vraiment très bon, Domatic. Ça fait combien d'années que vous vous acharnez pour que ça marche, puis finalement, ça débloque? Ça fait quand même depuis, en tant que groupe Domatic, depuis peut-être 92 qu'on s'essaye au Québec. On a essayé d'aller en France aussi, de se faire signer, mais on n'a pas eu de succès avec ça. Puis c'est juste cette année que finalement, ça a débloqué pour nous. Mais moi, par exemple, ça fait longtemps que je suis dans la scène montréalaise de hip-hop depuis peut-être les années mi-80 là, que je suis là et que j'essaie de faire des projets. J'essaie de sortir d'autres choses en anglais avec d'autres groupes. Mais donc ça fait longtemps. Ça fait combien d'années que tu essayes? Ça fait peut-être 7-8 ans que je m'essaye, puis là, finalement, ça a l'air d'aller. OK. Alors, vous utilisez de l'échantillonnage, Dogmatic? Mm-hmm. Un peu? Comment tu les choisis, les échantillonnages? L'affaire, c'est que ces jours-ci, dans le rap, c'est moins populaire d'utiliser les échantillonnages. OK, on a fait notre temps d'échantillonnage. Ouais, je pense que le temps d'échantillonnage commence à... Est-ce que c'est parce que les artistes demandent des droits d'auteur quand tu utilises... Ça, c'est une raison. C'est très difficile d'avoir... Ça coûte cher si tu veux prendre, tu sais, les stones, je sais pas trop. Exactement. Qui, et en même temps, ça devient plus créatif maintenant. Maintenant, on prend des samples, on essaie de les changer pour créer quelque chose de nouveau et de cacher vraiment l'origine du sample lui-même pour pas avoir besoin de payer les droits non plus. C'est ça, on peut trafiquer un peu. En fait, vous vous inspirez puis vous créez vos propres échantillons, vos propres samples, pour parler en bon français, bien sûr. Mm-hmm. Et est-ce que dans ta famille, il écoutait beaucoup de musique? Est-ce que... Mon père est guitariste. Ah oui? Classique, c'est pas vraiment... Il écoutait pas beaucoup de rap, ton père? Non, pas du tout. Non, il faisait pas de breakdancing dans le salon Noël? Pas du tout. Mais moi, c'était plutôt à l'école que j'ai découvert ça. J'avais des amis qui sont revenus de New York avec des cassettes de la radio new-yorkaise, avec ce nouveau style de musique. Oui, parce que c'est né quand même à New York. Toute la musique est venue au monde, à peu près aux États-Unis, puis le rap... Est-ce que tu fais une différence entre le rap et le hip-hop? Ben, le hip-hop, ça regroupe les quatre éléments, ce qui sont le rap, ce qui est l'art de poser des rimes au-dessus de la musique. Ouais. Il y a le breakdance et il y a le graffiti. Okay. Et la musique aussi, qui est les DJ, l'art du scratch et tout. C'est les quatre éléments que font le hip-hop. Et le rap, c'est juste un de ces éléments. Et Run-DMC, est-ce que c'est... parce que là, c'est le premier album dont tu voulais parler, mais il l'avait pas, puis moi non plus à la maison. Mais bref, c'est le premier album, et là, c'est quand même un classique de Run-DMC. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, Run-DMC? Pour moi, c'était quelque chose de tout nouveau, leur son. Là, ils posaient leurs textes sur des drum beats simples avec des gros sons de scratch. Il n'y avait pas de musique, de mélodie, vraiment. C'était vraiment la base du hip-hop. En même temps, ce qui est particulier à Run-DMC, c'est qu'ils ont incorporé un peu le rock dans les groupes. Moi, c'est quand j'ai joué blanc un peu là, tu sais, de Drummondville, là, c'est quand j'ai entendu de la guitare, tu sais, j'ai dit waouh, c'est intéressant. Puis il y a Rockbox, on va regarder un extrait. C'est vraiment un classique du genre Rockbox et on a un clip pour ça. No.
Tribe Called Quest. Mm-hmm. Cet album-là, moi je les connais plus 91, hein, quand même 6 ans. Mm-hmm. Ça, c'est leur deuxième album. Je l'ai choisi parce que ça représente vraiment une époque du rap où l'échantillonnage, justement, était très utilisé. Et pour moi, c'est eux vraiment qui ont maîtrisé ça le plus. C'est-à-dire quoi, qu'ils inventaient leur... Ils n'ont pas inventé, mais pour moi, c'est eux qui l'ont maîtrisé parce qu'ils ont fait cet album-là, c'est complètement des échantillons, mais c'est okay. Très... Ils ont créé, genre, un style... complètement différent de ce qu'il y avait avant avec les échantillonnages qu'on faisait des avec collages. Avec le sampler, la bébelle comme tel. Parce que c'est ça, parce que j'imagine que ça a pris quelques années avant que les artistes la maîtrisent, cette bébelle-là, quand même, puis réussissent à faire exactement. Quelque chose d'artistique. On va regarder un clip qui s'appelle Check the Rhyme, A Tribe Called Quest. I'm just a potency who's five for three and very brave. On top remaining, no, I'm training cause I misbehave. I come correct in full effect, have all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the time. Que je connais absolument pas maintenant, qui s'appelle The Roots. Ils sortent d'où, eux autres? Ça, c'est un groupe de Philadelphie. Cet album-là est sorti au début de cette année. C'est nouveau, ça? Oui, c'est assez récent. Et t'es, bien sûr, en tant que DJ dans l'âme, tu l'as en vinyle, pas en CD. Oui, moi, j'ai presque du vinyle, mais... Ah oui? En tout cas, The Roots, c'est ce qui est cool avec eux, c'est que tout l'album a été fait avec des vrais instruments, des musiciens. Il n'y a pas d'échantillonnage. Et en okay. spectacle, c'est complètement live. C'est, pour moi, c'est le groupe, le meilleur groupe de rap en spectacle que j'ai vu. Okay. Très positif aussi, le message qu'ils amènent et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est un de mes groupes préférés dans le rap. OK. Dogmatique, vous avez des spectacles qui s'en viennent, là? Ouais. On fait un peu le tour du Québec. On sera à Rimouski, Baie-Comeau, Rivière-du-Loup. On sera de retour à Montréal le 28 novembre au Spectrum, un show pour tous les âges mm-hmm. aussi. Et à part ça, c'est... Très occupé, puis la vie est belle. Merci ça, beaucoup, DJ Choice, de nous faire un petit tour au cimetière des CD. On se quitte avec A Tribe Called Quest, Concerto of Desperate.